congrès, c'est un événement tout particulier. C'est l'occasion, et surtout après cette période de crise sanitaire, de se retrouver physiquement, tous ensemble, à la fois avec les équipes Banque des Territoires, qui sont les contacts au quotidien de nos clientèles professions juridiques, et également une occasion privilégiée d'échanger avec l'ensemble des clients qui sont présents, nombreux, sur ce congrès consacré au numérique, thématique sur laquelle on est particulièrement engagé afin de sécuriser l'ensemble de la profession et des citoyens dans le cadre de toutes les opérations qu'ils réalisent avec les notaires. Pendant ce congrès, on a été très heureux de pouvoir rencontrer un grand nombre de notaires créateurs. Depuis la loi Croissance, on a accompagné près de 1000 créations d'office depuis 2018. Et on a eu beaucoup de plaisir à les revoir aujourd'hui pour échanger sur le développement de leur activité, partager également les différentes offres qu'on peut continuer à mettre à leur disposition. Puisqu'on accompagne à la fois l'étape d'installation, mais également le développement de leurs projets d'entreprise, que ce soit sur le volet financement ou le volet tenue de compte et prestations bancaires, ainsi que des offres de consignation. Ces notaires créateurs, on aura encore le plaisir de les accompagner, puisque une nouvelle vague de créateurs d'environ 250 offices va se déployer jusqu'en 2023. Alors, la Banque des Territoires et la profession notariale, c'est une relation de confiance et de long terme. On est partenaire privilégié avec le Conseil supérieur du notariat, avec qui on a une convention de partenariat au service de la modernisation du service public de la justice, avec différents axes d'intervention, notamment celui du renforcement de l'accès au droit. Donc, on est partenaire du programme de consolidation du maillage territorial de la profession, qui vise à accompagner les offices dans leur territoire, à développer leurs projets d'entreprise et à faciliter les pistes de mutualisation à l'échelle territoriale. Donc, c'est un programme auquel on contribue de façon étroite avec le Conseil supérieur du notariat. On a également beaucoup de sujets communs de digitalisation et d'accompagnement à la stratégie digitale, des grands projets également plus structurels au service de la justice dans son ensemble. Et donc c'est l'occasion aussi ici, sur ce congrès, de croiser nos interlocuteurs, de les confronter à la réalité des notaires chefs d'entreprise. Également l'occasion aussi de concrétiser ce partenariat à l'échelle territoriale. Et donc on a le plaisir par exemple aujourd'hui de signer plusieurs conventions de partenariat entre les chambres régionales et les cours d'appel et nos directions régionales de la Banque des Territoires.